Bienvenue sur notre chaîne de podcast juridique signée Lexbase. Je m'appelle Aurélie et aujourd'hui nous explorons le monde des diamants en compagnie de Didier Tonin, avocat et spécialiste de la question. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'origine du diamant et quels sont les centres de taille à travers le monde, comment évaluer la qualité d'un diamant, mais aussi explorer les fonctions du processus de Kimberley pour prévenir le commerce de diamants des différents conflits, ainsi que nous intéresser à sa valeur et à son placement, qui, vous l'imaginez, est certainement très près du corps. Préparez-vous à plonger dans un univers fascinant où la beauté rencontre la précision et évidemment, comme toujours, le droit. Alors, parlez-nous de l'origine du diamant. Alors, qu'est-ce que le diamant ? Le diamant, c'est en réalité du carbone pur. Mais c'est du carbone qui est transformé à la suite de deux critères. Une augmentation de la température de 1100 à 1400 degrés, ce qui pose un problème pour la réalisation de diamants synthétiques, car il fallait monter à cette température, ce qui était difficile. Et puis c'est un carbone qui subit une pression exceptionnelle, et c'est sur la base de cette pression et de cette température que se forment les diamants. Mais ils se forment dans le manteau terrestre. Alors pourquoi on en trouve à la surface de la Terre ? Eh bien parce qu'ils remontent à la surface de la Terre à la suite par le magma, à la suite d'éruptions volcaniques par le magma, qui permet ainsi la montée en température, à travers de ce qu'on appelle des cheminées, des kimberlites, qui permettent donc aux diamants de jaillir sur la Terre, et au cours des nombreuses années qui lui succèdent, être transportés par les fleuves ou les rivières. C'est ce qu'on appelle le diamant alluvionnaire. Voilà. Donc, voilà l'origine du diamant, qui est malheureusement pas fréquente et dont il faut rechercher la source. Alors justement, où a-t-on dans le monde trouvé du diamant ? Alors, le diamant, les mines de diamants ont évolué. Au départ, seule l'Inde avait la possibilité de fournir du diamant à l'ensemble des pays du monde. La France, la royauté française, s'approvisionnait en diamants, notamment par le célèbre voyageur Tavernier, qui allait régulièrement, qui a été 5 ou 6 fois en Inde, dans la région de Golconde, pour ramener des diamants au roi Louis XIV, notamment le fameux diamant bleu du roi de France. Et alors, où se trouvent aujourd'hui les principaux centres de taille alors, du diamant ? Les principaux centres de taille du diamant, qui étaient au départ l'Inde, sont maintenant, le premier, c'est la Russie. Il y avait des mines de diamants, mais jusqu'à présent, la Russie n'en avait pas fait état. Maintenant, ces mines sont prospectés et sont exploités, ce qui fait de la Russie le premier producteur de diamants avec 23 millions de carats. Vient derrière le Botswana avec 16 millions de carats. Je vais vous citer que les premiers. Ensuite, nouveau intervenant aussi, le Canada avec 13 millions de carats. L'Angola avec 8,5 et l'Afrique du Sud 7,7 millions de carats, ainsi que par la suite la République démocratique du Congo avec 3,7 millions de carats. Je vous cite pour mémoire la Namibie, les Lesotho, l'Australie et la Tanzanie. Les mines de diamants d'Inde sont maintenant un peu épuisées. Voilà les principaux pays producteurs de diamants. Il est évident que les mines de diamants représentent un travail colossal d'extraction, puisqu'il faut au moins extraire 250 tonnes de sol, de pierre,
pour obtenir un carat. Ce qui nécessite donc des moyens colossaux pour permettre cette extraction, puis par la suite le concassage et enfin le lavage. On pourrait imaginer qu'il y en ait encore beaucoup dans d'autres pays à découvrir. On peut toujours imaginer, nous, en espérant qu'on peut trouver du diamant en France. Alors, bon, c'est bien tout de trouver le diamant. Il y a certainement des problèmes de qualité. Comment évalue-t-on la qualité du diamant ? Avant d'évaluer la qualité, je vais vous parler quand même du symbole que représente le diamant. Parce que pourquoi les hommes s'intéressent à cette pierre alors qu'il y a tant de jolies et belles pierres ? Eh bien, parce qu'on lui donne des vertus, on lui a donné tout de suite des vertus magiques. Chez les Romains, chez les Grecs, ils l'appelaient Adamas. Et vertus magiques, pourquoi ? Parce qu'il est d'une dureté exceptionnelle. Puis qu'il est rare, bien entendu, mais aussi sa forme originelle en octaèdre n'a pas manqué de surprendre les prospecteurs de diamants. La dureté fait que le diamant ne peut être taillé que par le diamant, à la différence des pierres fines. Il faut donc un outillage particulier pour que ce diamant soit facetté. Jusque vers les années 1500, le diamant n'était pas facetté parce qu'on ne savait pas le faire. On ne savait pas comment tailler le diamant de façon aussi lumineuse. Et c'est un dénommé Van Berkem qui a inventé la taille parfaite du diamant. Le diamant a aussi une valeur symbolique. Cette valeur symbolique est celle de l'éternité, puisque le diamant est éternel, il ne se détruit pas facilement, incassable. Le diamant a donc aussi, outre ses qualités intrinsèques, une valeur sentimentale. Il témoigne de la pureté, de l'éternité et de l'amour. Il témoigne de l'amour lorsque ce mythe s'est créé, lorsque Maximilien d'Autriche, en 1477, a offert à Marie de Bourgogne un diamant blanc représentant son affection qu'il avait pour Marie de Bourgogne. De même, vous avez sans doute écouté la chanson de Marilyn Monroe, « Les hommes préfèrent les blondes ». Celle-ci s'exclame « Talk to me, Harry Winston, tell me about it ». Ce qui signifie « Parle-moi, Harry Winston ». Harry Winston était le plus grand joaillier américain au monde. « Parle-moi, Harry Winston, dis-moi tout sur lui, sur le diamant. » Et c'est grâce à cette chanson et l'attrait de la pierre que le diamant est désormais inscrit comme la valeur symbolique de l'affection que l'on porte à sa compagne ou à une personne pour laquelle on a de l'affection. Alors, comment évalue-t-on la qualité d'un diamant ? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour un non-connaisseur, est facile ou... Expliquez-nous. Avant d'apprécier sa qualité, il faut le tailler. Et qui taille le diamant dans le monde ? Le premier centre de taille mondial reconnu et encore le leader de la taille du diamant, les plus gros diamants sont taillés à Anvers. Un deuxième centre de taille existe aussi, c'est à Tel Aviv, en Israël, car les Juifs avaient une réelle compétence dans la taille du diamant. Le troisième centre de taille qui émerge, c'est Mumbai, en Inde. La taille du diamant là-bas emploie près de 2 millions de personnes. Mais ce sont des tailles relativement petites. Il reste aussi, bien entendu, Londres et New York, où il y a de la taille du diamant. Il y avait au XIXe siècle la France qui était présente,
dans la taille du diamant, notamment, donc, et essentiellement, dans la ville de Saint-Cloud, qui est considérée comme actuellement la capitale du diamant en France. Et pouvez-vous nous dire pourquoi, par exemple, alors que la Russie possède le plus de diamants aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de centre de taille, par exemple, en Russie ? Ah ben si, il y a des centres de taille. Mais ils sont moins importants qu'Anvers, d'accord, ou Tel Aviv ou Mumbai. D'accord. Ils vendent plus les diamants bruts avant taille. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je me suis bien entendu intéressé aux diamants, oui, parce que ma famille du côté maternel est originaire de Saint-Cloud. C'est ça, et que, c'est ce qu'on avait dit à l'intro. Un des membres de ma famille, oui, était celui que ses collaborateurs appellent le premier diamantaire de France. Il employait près de 500 diamantaires qui taillaient le diamant, qui était exporté notamment aux États-Unis, qui était et qui reste le premier marché du diamant. Il participait aussi aux grandes expositions internationales comme Paris, Milan ou San Francisco, au cours duquel il a obtenu des prix. Oui, parce qu'il y a j'imagine qu'il y a aussi une problématique au niveau qualité de la taille. Tout ne se vaut pas en termes de qualité. Alors justement, ce qui fait la réputation d'un centre de taille du diamant, c'est aussi la qualité de la taille du diamant dans ce centre, en lui-même. Okay. Car pour le diamant, il y a quatre critères qui permettent d'apprécier la qualité d'un diamant. C'est ce qu'on appelle les 4 C. C'est la grande règle de la taille, de l'appréciation de la qualité d'un diamant. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 C? Le premier C signifie carat. Plus il est gros, évidemment, plus il aura de la valeur. Le deuxième critère, c'est la couleur. La couleur s'apprécie en fonction de lettres, de D à F. DEF signifie incolore, je parle là pour les diamants blancs. Puis G à J, c'est presque incolore. Et puis Z, ben c'est le diamant qui a des reflets qui est plutôt de tendance jaune pâle, car les diamants blancs ne sont pas vraiment blanc-blanc. Et d'ailleurs, dans le centre de taille dont je vous ai parlé tout à l'heure, les gens parlaient de diamants blanc-blanc ou de diamants blanc-jaune. D'accord. Avoir un diamant blanc-blanc était bien entendu le must. Troisième critère, clarity en anglais, c'est-à-dire la pureté. Car le problème des diamants, c'est qu'ils peuvent avoir des inclusions au moment où ils se sont formés, d'autres matériaux. Moins un diamant aura d'inclusions, plus il aura de valeur. Et ces inclusions, on les calcule. On en tient compte pour la valeur d'un diamant. Et on utilise des lettres qui sont F à S. F pour flawless, donc diamant parfait, IF, internally flameless, c'est-à-dire presque parfait, VVS 1 ou VVS 2, c'est-à-dire very, very slightly included, ou bien SI 1 ou SI 2 ou SI 3, slightly included. Donc on le voit, l'appréciation d'un diamant se fait de façon très très précise par rapport à ces critères, ce critère de clarity, de clarté, de pureté. Et qui a déterminé ces critères? Où est-ce qu'on peut les trouver? Enfin, ces critères sont internationalement connus. Okay. Tous les diamantaires l'appliquent et il existe depuis le 19e siècle. Les règles sont les mêmes pour tous? Les règles sont les mêmes pour tous et on verra tout à l'heure dans l'appréciation. Peuvent essayer de les contourner aussi. On verra tout à l'heure, les diamants synthétiques notamment. Oui. Mais on abordera ça après. Mmh. Ok. Enfin, le quatrième C,
Oui. C'est le diamant de taille, taillé. C'est la taille. Et la taille a son importance. Un diamant bien taillé est un diamant de meilleure qualité qu'un diamant mal taillé. Et là encore, il y a des critères de classification. E pour excellente, VG pour very good, G good, F juste honnête, jusqu'à P pauvre. Donc, cette appréciation n'est pas négligeable parce qu'elle contribue elle aussi à la valeur du diamant. Voilà donc comment un expert examine un diamant. Il part de ces quatre critères, plus un sur la réfréquence, bon, mais il part de ces quatre critères pour évaluer la qualité du diamant. Et pour cela, il existe des laboratoires internationaux à qui vous pouvez remettre votre diamant pour expertise et qui vous fait un rapport d'expertise. Quels sont ces laboratoires quand même? Si on vous parle de GIA, eh bien c'est un laboratoire américain, Gemological Institute of America, qui est le laboratoire qui examine tous les diamants qui lui sont présentés, généralement des diamants de taille assez importante. Mais il y a aussi le HRD, le Haut Conseil du Diamant, qui a une analyse du diamant un petit peu différente, et l'IGI, l'International Gemological Institute, qui lui aussi examine le diamant et fournit un rapport extrêmement complet. Dans ce rapport, ce rapport et certificat, qui consiste en certificat, on trouve la forme de la taille. Il ne faut pas que le diamant soit dissymétrique. Et généralement, on préfère expertiser les diamants ronds. C'est plus simple. Le poids, la pureté, le degré de couleur, éventuellement la fluorescence, les proportions entre la table, et puis le polissage ainsi que la symétrie. On examine même la hauteur et les dimensions pour avoir un certificat du GIA, de l'HRD ou de l'IGI. Donc, à l'aide de ce certificat, qui est évidemment authentifié, daté, etc., vous avez le moyen de connaître exactement la qualité de votre diamant. Est-ce qu'on peut connaître l'origine, le pays? Alors, malheureusement, on ne peut pas vraiment connaître l'origine. D'accord. C'est la difficulté dans le diamant. C'est que, sauf certains professionnels très pointus sur les mines, peuvent déceler en fonction de la couleur, peut-être. Voilà. Ouais. Non, mais en fonction de... Oui, de finir, tous les critères, finir par déceler l'origine. OK. Mais par principe, l'origine est difficilement identifiable. D'accord. Ces diamants sont d'autant plus contrôlés que, comme vous le savez, la profession a été un peu mise en cause et s'est émue des reportages sur ce qu'on appelle les diamants de sang ou les diamants de contrebande. Il fallait réagir. Les diamantaires ont pris les choses en main. Et ils ont créé ce qu'on appelle le processus de Kimberley. Oui. Qu'est-ce que le processus de Kimberley? C'est un processus qui permet d'aboutir à une certification du diamant, mais une certification qui porte sur un domaine interétatique. En effet, le processus de Kimberley a été mis en place. Ce n'est pas une association au niveau international et regroupe les États, l'industrie du diamant, ainsi que la société civile, comme Global Witness, sur la base d'ailleurs d'une résolution de l'ONU, 55-56. Avec ce processus, il est possible d'avoir des rapports. Il existe la possibilité pour le processus de Kimberley
d'exiger un rapport annuel des pays qui sont membres sur l'évolution de la situation diamantaire. On demande aussi à ces pays de prendre des initiatives pour améliorer la connaissance de la circulation des diamants interétatiques. Le processus de Kimberley, les membres du processus de Kimberley peuvent même rendre des visites, examiner l'état des mines et de la façon dont le diamant est acheminé, avec des missions d'examen. Alors, encore faut-il que, dans ce processus, les pays soient adhérents. Oui, c'est ça. Alors, sur les pays que vous avez cités, les cinq premiers, ils le sont tous ou... Alors, il y a un nombre... Notamment à la Russie. Non, il y a un nombre considérable de pays qui sont adhérents au processus de Kimberley, qui peut donc se voir subir des examens. Mais il y a aussi un bon nombre qui ne l'est pas. Non, il y en a qui le sont. Il y en a beaucoup qui le sont, notamment la France sous l'étiquette d'Union européenne. Et que ces diamants sont contrôlés, puisque l'envoi de diamants dans un autre pays se fait sous conteneur, sous scellé. Et que ces scellés sont inviolables. Donc, la circulation de diamants interétatiques est quand même assez bien contrôlée. Sauf que, elle s'appuie sur les États. Ce sont les États qui mettent en œuvre le processus. Évidemment, dans les États où il peut y avoir de la corruption, il est difficile de contrôler le processus. Oui. Je dirais que c'est un peu comme les produits bio, produits biologiques. Vous ne pouvez pas contrôler si la production est vraiment biologique. Ce ne sont que les États qui sont concernés. Là, on se heurte naturellement à la puissance de l'État. Alors, il peut y avoir évidemment des détournements qui se font d'ailleurs souvent grâce à des paradis fiscaux. Et puis qui permettent de laver un peu le circuit illégal. Mais le diamant est quand même apprécié par rapport à ses qualités. Et il faut reconnaître que le processus de Kimberley n'est pas sans importance, bien que certaines associations d'ailleurs qui étaient parties, les membres fondateurs comme Global Witness, aient préféré partir. Et alors, le diamant est victime de contrefaçon, comme beaucoup d'autres pierres. Parlez-nous du diamant synthétique. Alors, le diamant synthétique, on en parle beaucoup maintenant. Mais jusqu'à présent, personne n'avait réussi à faire du diamant synthétique. Bien que certains escrocs aient réussi à faire croire qu'ils avaient créé du diamant synthétique. Et parmi ces escrocs, on a un des tout premiers qui était en France et qui s'appelle un dénommé Lemoine. Lemoine a fait croire à des membres de la compagnie de Beers. Je rappelle qu'une compagnie de Beers, c'est la principale productrice de diamants venant d'Afrique du Sud et qu'à l'époque, elle détenait 80% du diamant, de l'extraction de diamants bruts dans le monde. Cette proportion a baissé compte tenu des nouvelles prospections et des nouvelles découvertes. Mais ce dénommé Lemoine a fait croire à même des experts expérimentés qu'il avait pu créer un diamant synthétique. Je rappelle cette affaire parce que cette affaire a fait l'objet d'un livre de Marcel Proust appelé « L'affaire Lemoine » où il parodie les différents écrivains. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et ce Lemoine a été jugé et condamné, mais il semble avoir disparu dans la nature avec l'argent qu'il avait réussi à extorquer à la compagnie de Beers. La morale n'est pas présente. Oui. Ça vous fait une bonne lecture en tout cas en prévision. Juste petite question, si par exemple demain
on se met à... Enfin, on se dit, ah tiens, ici, je suis persuadée pour X ou Y raison qu'il y a du diamant, etc. Admettons, je décide de chercher donc, dans le sol pour voir si... bon, je suis très riche, je mets en place du matériel nécessaire pour... la mine m'appartient ? Alors... Enfin, en termes d'appartenance... La mine pourrait vous appartenir, mais c'est un peu une hypothèse d'école. Mm-hmm. Parce que pour exploiter une mine de diamants, comme je vous l'ai dit... Oui, ça nécessite énormément de moyens. De moyens. Oui. Et donc ce n'est plus à la portée d'un simple particulier, même si vous trouvez du diamant dans votre jardin, je ne pense pas que vous puissiez l'exploiter. Voilà. Et ces mines sont généralement créées, enfin autorisées, demandent des autorisations de grands groupes, comme la De Beers. Qui, eux, peuvent mettre en place tous les moyens nécessaires pour l'exploitation de la mine, qui, bien avant qu'elle soit réalisée, est analysée par des experts géomètres, des experts en diamant, et qui seuls peuvent dire si cette mine est rentable ou pas, parce qu'il existe des mines de diamants, mais qui ne sont pas rentables. Puisque de mauvaises qualités. Parce que insuffisantes en termes de production. Okay. Et est-ce que c'est une ressource qui sera systématiquement renouvelée ? Elle est en perpétuelle fabrication sous l'écorce terrestre ? Enfin... Ah, alors, si vous me permettez, c'est une bonne question, parce que la valeur du diamant est liée au fait que le diamant ne se renouvelle pas. Okay. Sauf éruption volcanique. Oui, voilà, prochaine. Elle ne se renouvelle pas. Ce qui a donc incité certains à chercher à faire du diamant synthétique. Mmh. Et depuis peu, on arrive à faire du diamant synthétique. Les premières expériences, la première expérience qui permet de dire qu'on a créé du diamant synthétique, c'est une expérience de 1953 du dénommé Balthasar von Platen qui a réalisé le premier diamant de synthèse. Ce diamant de synthèse... il est maintenant réalisable, il y a possible de créer du diamant de synthèse, et le marché du diamant de synthèse se développe par deux techniques, la technique de l'HPHT, c'est-à-dire reconstitution de la haute pression et de la température, et la technique du ZVD, chemical vapor deposition, qui consiste à créer des couches diamantifère sur un germe préalable. D'accord, on essaie de reconstituer, de modéliser les conditions. Là, on reconstitue réellement un diamant qui a des qualités exceptionnelles dans la mesure où il n'y a pas d'inclusion, où il n'y a pas de défaut particulier. Le législateur s'est intéressé à ces diamants de synthèse, bien entendu. Désormais, en vertu d'un décret de 2002, le diamant de culture, enfin ce qu'on appelait le diamant de culture, est interdit. Il faut absolument que la mention « diamant de synthèse » ou « diamant de synthétique » soit mise. Donc toutes les appellations fantaisistes, si vous voyez une appellation fantaisiste du type « diamant de culture », c'est un diamant synthétique. Okay. Comme pour les perles de culture. Voilà. Ok. Et comment reconnaître un diamant synthétique d'un diamant originaire ? C'est la grosse question, c'est la question qui se pose. On arrive, des outils commencent à arriver pour faire la distinction, c'est-à-dire que le diamant synthétique peut être analysé, enfin peut être découvert par certains critères qui malheureusement ne sont pas à la portée de chaque bijoutier. Pour ne pas être envahi par ces diamants de synthèse, la compagnie De Beers a préféré entrer dans le marché du diamant synthétique et elle a créé ainsi, en 2018, une ligne de diamants synthétiques appelée l'Icebox Jewelry, qui est une ligne de diamants purement synthétique créée par la plus grande entreprise de diamants naturels, qui est la compagnie De Beers. En termes de budget, les diamants synthétiques sont bien moins onéreux. Ah bah ils sont presque moitié prix, évidemment. Mmh.
évidemment. Ça permet de rendre le diamant, même s'il est synthétique, accessible. Oui. Alors, il faut dire que ce n'est pas particulièrement nouveau, parce que le diamantaire de Jura, dont je vous ai parlé, qui appartenait à ma famille, a créé déjà des diamants synthés, des diamants à base de quartz translucide, ou chimiquement, qui était appelé, ce diamant était appelé à l'époque dans la ville, le diamant du pauvre. D'accord. Parce qu'effectivement, son prix est d'au moins 60% inférieur au véritable diamant. Donc c'était pas le blanc blanc, c'était le diamant. Ah si, il peut être blanc blanc. Ah, il peut être blanc blanc, mais il reste diamant. Il peut être blanc blanc, mais il reste synthétique et il n'a D'accord. pas la valeur d'un véritable diamant. D'accord, et justement, en parlant de valeur, on peut parler peut-être du cours du diamant et ensuite aborder son placement. Est-ce que vous pouvez développer dessus, sur son cours ? Alors, le cours du diamant, il n'existe pas au niveau grand public une diffusion des cours du diamant. Mais il existe quand même ce qu'on appelle le Rapaport Diamond Price List, qui est une cote des diamants qui avait été élaboré par un dénommé Rapaport, qui fixe un peu la cour du diamant en fonction des carats et en fonction de leur qualité. On est un peu comme sur les tableaux anciens, les voitures anciennes, où il y a des cotes de ces objets. Et sur la base de cette liste, ce cours du diamant, les diamantaires fixent un prix. Alors, ce prix, il n'est pas connu du grand public dans la mesure où cette liste, elle s'adresse essentiellement aux professionnels. Mais enfin, il est possible de demander une cotation d'un diamant sur la base du Rapaport Diamond Price List pour avoir une idée de la valeur du diamant. Étant entendu que chez les bijoutiers et les diamantaires, la vente du diamant connaît souvent une décote par rapport à la liste. C'est valable pour tout, je pense. Les meubles, les diamants, tous les objets mobiliers, il y a des cotes qui sont créées, mais qui ne traduisent pas forcément la réalité de la valeur du bien que vous présentez. Ce qui fait que le diamant, certes, nous n'avons pas le prix exact de la liste, mais nous avons quand même des indications sur les ventes aux enchères. Notamment, les ventes aux enchères de Christie's à Genève donnent une idée de la valeur d'un diamant. Et à partir de là, on peut quand même se faire une idée à peu près exacte de la valeur du diamant qu'on veut mettre à la vente. En ce moment, la cote des diamants blancs évolue positivement car, en tant que placement, le diamant présente un avantage. Il est immédiatement accessible, il est rare et il ne s'use pas. Il n'y a pas de vétusté possible, bien qu'il puisse être utilisé, qu'il puisse être mis en valeur sur un bijou. Il a donc une affectation quotidienne possible. Mais aucune usure ne peut être déduite du diamant que vous présentez. À l'achat, il faut savoir quand même que vous payez 20% de TVA. Il faut donc amortir cette TVA. Et puis, attendre un certain temps, ce n'est pas un placement immédiat, d'achat-vente immédiate. C'est un placement dans la durée. Et dans la durée, le diamant véritable augmente toujours. Il existe aussi une petite condition qui est que les diamants ronds, de taille ronde, sont plus appréciés que les diamants fantaisie, encore que certains diamants fantaisie aient atteint des sommets dans les ventes de Genève. Et puis, généralement,
Les diamants qui se revendent le mieux sont des diamants de 0,5 carats à 2 carats, sachant qu'un carat vaut quand même 10 000 euros. Voilà un moyen simple d'avoir une épargne et transportable, accessible. De faire le tour du monde avec son épargne. On peut faire le tour du monde avec son épargne. Mais il faut savoir, c'était aussi la pratique courante avant l'apparition des banques. On a retrouvé chez les empereurs de Russie, quand ils ont été guillotinés, on a retrouvé dans les manteaux de fourrure, cousus dans le manteau, des diamants. Les Romanov, comme ça, pouvaient partir avec leur manteau, avec des diamants cousus, et puis les revendre à l'étranger en tant que de besoin pour leur vie courante. Ça leur permettait de voyager léger. Voilà. En sécurité. Et le diamant bleu, vous en avez parlé tout à l'heure de la couronne. Oui. Donc lui, en termes de valeur, au-delà même de la pierre, il y a toute une histoire derrière qui lui fait presque doubler, voire tripler, voire quadrupler sa valeur. Parfois, le diamant a une histoire telle que les collectionneurs se l'arrachent, en plus de la qualité réelle de la pierre. Non seulement les collectionneurs se l'arrachent, mais les États se l'arrachent aussi. Bien sûr. Pour le diamant bleu du roi de France, qui a été ramené par Tavernier, il faut savoir qu'il a fait l'objet d'un vol à la Révolution, le vol du garde-meuble du roi, et qu'il a été amené en Angleterre, où un banquier réputé l'a acheté et l'a plus ou moins retaillé. Pour le transformer. Et il a prétendu avoir acheté un diamant nouveau, bleu aussi, et qu'il a nommé le Hope. Et ce Hope a circulé sous cette appellation jusqu'à que, récemment, il y a 3-4 ans, un grand gémologue du MHN de Paris, François Farge, démontre que ce Hope était bien le diamant bleu du roi de France. Il faut savoir que ce diamant bleu, qui est exposé à Washington, au Smithsonian Institute, eh bien, il est le second objet d'art le plus visité au monde après la Joconde. Il y a donc un attachement des Américains et du monde sur ce diamant. Je ne suis pas sûr qu'il soit restitué à la France, puisque à l'origine, c'était un diamant du roi de France. C'est ça. Voilà. Voilà une aventure. On détiendrait les deux hommes les plus choyés sur cette terre. Et juste pour la petite question, pourquoi diamant bleu? Alors, bonne question, si je peux me permettre. Parce qu'on parlait de blanc-blanc, de tout ça. Jusqu'à maintenant, c'était les diamants blanc-blanc qui étaient le plus estimés. Les diamants de couleur étaient sous-estimés en raison de sa valeur symbolique. Offrir un diamant blanc, c'était une la pureté et, voilà, et la fidélité. Les diamants de couleur sont en pleine hausse parce qu'il peut y avoir des diamants de couleur, bleu, rouge, etc. Ces diamants connaissent une augmentation de leur cote considérable. Et à l'époque, sous Louis XIV, évidemment, il n'avait pas un tel prestige. Il avait déjà l'œil, en tout cas. Depuis peu, tous les diamants de couleur sont très appréciés des collectionneurs, des spécialistes du placement, et les enchères ne font que monter sur les diamants de couleur. Et aujourd'hui, ce diamant bleu, le Hope, si on devait lui donner une valeur? La valeur est inestimable. Inestimable. Déjà à l'époque, il avait quadruplé de valeur après la taille. Au début du 20e, c'est ça, ouais. Il avait été racheté, non, par une femme très très riche, une américaine. Oui, Evaline McLean. Oui,
C'était 5 millions de dollars. Je ne sais plus exactement peut-être moins. Mais il avait été acheté par Louis XIV 220 000 livres. Après la taille, il a quadruplé de valeur. Et puis il est passé de main en main, par le banquier haut. Il est passé entre les mains de Cartier, qui l'a vendu à une riche américaine appelée Valide MacLean. C'est ça. Qui l'a ensuite revendu. Et revendu par la suite. À Winston. voilà. Puis ça s'est retrouvé au musée. Et Winston a eu des ennuis, des ennuis un peu avec le fisc. D'accord. Et pour pouvoir résoudre cette, ce différend, il a proposé de faire don du diamant bleu au Smithsonian Institute. D'accord. Qui a accepté, non sans mal, parce que le diamant bleu a une réputation qui lui a été créée par un journaliste du Washington Post. Il porte malheur, non ? Comme quoi, oui. Il porte malheur. C'est ça. Bon. On peut évidemment tirer des conséquences de la vie de ses possesseurs pour dire qu'il porte malheur. Bien sûr, mais si on est superstitieux, voilà. Tout est possible. Mais il est vrai que sa propriétaire américaine a eu quelques problèmes, notamment avec sa famille, de décès prématurés, notamment de ses enfants. Oui. Son fils est mort dans un accident et sa fille était droguée. Et elle-même, morte je crois, pour un excès de drogue. Oui, voilà. Mais Evelyn MacLean est une femme remarquable, parce que quand Cartier est venu lui proposer, les frères Cartier qui étaient installés à New York, lui proposer le diamant, elle a dit « peu m'importe, ce qui m'intéresse, c'est mon choix ». Elle a donc fait fi de cette prétendue mauvaise réputation. Peut-être l'a-t-elle regrettée après. Non, c'était pas une femme, c'était une femme de caractère. Oui, elle avait l'air. Oui. Parce que c'était la femme d'un chercheur d'or aux États-Unis et elle a vécu chichement au départ de sa vie. D'accord. Oui. Lorsque son père a découvert une mine d'or et qu'il s'est enrichi considérablement, elle a accédé aux classes les plus élevées des Américains. Elle recevait notamment le grand chef de l'espionnage américain, bien connu, et puis des personnalités politiques de haut niveau. Voilà des histoires qui font rêver. Merci beaucoup, Maître Tonnant, pour toutes ces informations très précises et qui ont pu nous faire davantage apprendre sur ce qu'était le diamant et ce qu'est le diamant aujourd'hui. Alors, dernière petite observation. Si vous allez dans la ville de Saint-Claude, oui. Vous avez un musée du diamant. Très bien. Nous voilà. Allons donc y faire un tour. Donc, vous ferez avec les équipes. Un tour. Vous l'avez musée. Déjà visité, j'imagine. Oui, bien sûr, bien D'accord. sûr. Oui, c'est très intéressant. Bien sûr. Et vous verrez. Une femme un peu, comment dire, assise devant un tour de diamant, parce que pour tailler le diamant, il faut un tour, un disque qui tourne, qui ressemble étrangement à ma grand-mère qui a taillé le diamant. D'accord. Voilà. Pour la petite anecdote de fin. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ouais.